Les membres du Parlement viennent une fois de plus de se réunir au Palais des Congrès de Brazzaville. Et au-delà du nouveau président qui vient d'être élu dans l'auguste chambre, il faut dire que chacun reste conscient du défi qui se profile à l'horizon. C'est le défi de nous tous. C'est pour dire que nous accompagnons le chef de l'État. Il a dit dans son discours qu'il y a un défi à remonter et nous devons accompagner le chef de l'État. Je crois que nous le ferons dans notre circonscription. Je suis évidemment conscient de ce qui nous attend dans notre rôle de régalien, qui consiste à voter les lois à l'Assemblée, les bonnes, je vous l'ai dit, à faire des propositions de loi et à suivre l'action du gouvernement. Ce n'est plus un secret. Le Congo-Brazzaville fait actuellement face à une grave crise financière, une situation diversement appréciée. Moi, je voyais aussi la démarche qui consistait à faire en sorte qu'il y ait un dialogue et qui impliquerait tous les acteurs politiques pour essayer de juguler cette question qui fait couler beaucoup d'encre, merci, et beaucoup de salive. Moi, à mon niveau, ce que je ferais, c'est de jouer mon rôle de courroie de transmission entre le Parlement et puis ma population, étant donné que le député, une fois élu, devient un député national, il a un mandat général. Je ne veux pas peut-être me limiter. C'est une position assez réductrice que vous m'imposez de vouloir me limiter à ma circonscription. Malgré la crise, la nouvelle session parlementaire qui vient de s'ouvrir à Brazzaville veut bien travailler dans le sens de concilier les différentes parties. On peut avoir les divergences d'opinion, mais le plus important, c'est de taire les querelles internes pour l'évolution d'un pays. Ce pays, c'est la République du Congo.